Can't be sleeping, keep awaking. That the woman next to me. I'll never let you down, down. Girl, donc je vous retrouve avec un fond différent. Je suis dans mon salon. Voilà, je vais vous filmer aujourd'hui. Que faire quand on s'ennuie? Au moment où je filme cette vidéo, je n'ai pas de portable. Donc voilà. Et désolé si tout d'un coup l'éclairage change ou des trucs comme ça, mais il y a des nuages dehors. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Numéro 1. Si tu t'ennuies, bah, tu peux tout simplement aller sur les réseaux sociaux. Parce que oui, c'est possible d'aller sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je Après, si tu es un de ces cas qui n'ont pas de réseaux sociaux, et bah tu te démerdes. 2. Prendre des photos en style Tumblr, tu vois, le truc, tu vois. T'as des petits fruits qui sont magnifiques, tu les mets dans un petit coin comme ça, en mode swaggy swagoo. Pourquoi je parle comme ça? En mode ok. On abandonne les photos Tumblr. 3. Lire un livre. Parce que oui, on peut s'intellectuer. Bon. Bref, on peut devenir intelligent en lisant un livre. Si t'as un livre pourri à lire, par exemple, pour dans une semaine ou deux, pour ta classe de français, bah lis-le. Comme ça, et bah, ça sera fait et t'auras plus besoin de le lire quand, genre deux jours avant que tu lises, quoi. Enfin, avant que tu dois lire. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Écouter de la musique en s'enjaillant tout seul dans sa chambre. Alors je vous promets, ça c'est le kiff. Ces choses dans ton placard que tu vas jamais utiliser, quoi. Genre comme ces carrés de chocolat qui sont devant toi, t'as pas trop envie de les manger tout seul, tu vois. Donc t'as envie de faire un truc, bah fais un gâteau au chocolat, putain. Ça, t'es du bullshit, sa mère. Regarde la télé. Parce que oui, c'est marrant de regarder la télé. Tu sais, t'es pas obligé de regarder ces vieux trucs. Tu peux aussi regarder Disney Channel. Hein, personne ne le saura. Range ta chambre. Oui, c'est possible de ranger sa chambre. Je sais que c'est très compliqué, mais il faut le faire parfois. Moi, à tes parents, des trucs à faire, genre... Si tout d'un coup tu vois que t'as un déj d'argent, tu vois, comme moi tous les jours en fait. Va demander à tes parents, chérie. Maman, papa, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner de l'argent? Fille, j'ai la voiture. Tiens, vers ça. Non, chose. Et puis n'oublie pas de négocier pour, bien sûr, gagner le plus d'argent possible. J'ai réussi à négocier pour 10 euros pour nettoyer la voiture. Donc, prenez l'exemple sur moi. Fais du shopping sur internet. Genre tu te fais toute une liste de trucs que t'adorerais faire. Et puis bien sûr, eh ben, tu les laisses dans ce putain de panier de merde qui te narre tous les jours. Parce que puis tu le vois. Pour te faire achète-moi.
Et bien sûr, si, si t'as tellement la flemme de faire tous ces trucs-là, regarde du streaming et prends des cornflakes à côté de toi. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, tout ce que tu veux. Et puis, je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye, bitch!